Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de survivre aux phases de la tempête en portant un sabre laser. Donc les sabres laser c'est ceci, et les sabres laser vous allez pouvoir les trouver un peu n'importe où dans la map, ils sont posés comme ça au sol, vous allez pouvoir aussi les trouver dans des coffres, et peut-être même dans des ravitaillements, mais ça je ne suis pas sûr parce que dans les ravitaillements, je n'en ai pas encore découvert. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement survivre à 5 phases de tempête au total. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une phase de tempête, c'est tout simplement quand vous appuyez sur votre carte, ici en haut à gauche, vous voyez tempête 1 sur 9. Donc il y aura 9 tempêtes minimum dans la partie. Donc là si maintenant je vais jusqu'à la tempête numéro 2, j'aurai survécu à la tempête numéro 1, donc ça me fait une phase de tempête survie en portant un sabre laser, survécu en portant un sabre laser. Donc si je vais jusqu'à la phase, à la tempête 6, et ben là j'aurai survécu à 5 phases de tempête. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, cependant c'est toujours mieux de le faire en une seule partie, comme ça vous n'êtes pas obligé de retrouver un sabre laser parce qu'ils sont quand même un petit peu compliqués à trouver. Donc voilà, si vous trouvez un sabre laser, soit ce que vous faites c'est que vous faites votre partie normale jusqu'à en essayant de pas mourir, ou alors vous vous cachez quelque part à un emplacement où vous êtes sûr que personne va venir vous chercher, par exemple dans cette petite maison là, hop, vous rentrez dedans, vous vous cachez carrément je sais pas moi au-dessus de la porte, voilà, et vous bougez plus. Et vous n'êtes pas obligé de vous équiper du sabre laser sur vous. Il faut juste l'avoir dans votre inventaire. Vous n'êtes pas obligé de l'équiper comme ça H24 pour terminer le défi. Non, non, non. Vous le mettez dans votre inventaire. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser. Et quand vous aurez survécu à 5 phases de tempête au total, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!